Give me a break, man. Did you overreact? Mr. President, there's been criticism that was overreacting. You come to my office and ask the question. We have more polite people. Mr. President, why have you chosen Poland for your choice to mark the anniversary of the war? And what's your message? Give me a break, man. Bonjour tout le monde, Cosmos avec vous pour les nouvelles. Je vais vous parler de 3-4 histoires qui ont retenu mon attention parce que je voulais faire une émission, parce que je voulais vous parler d'une offre d'emploi tout à fait incroyable de la MRC de la Vallée du Richelieu. Je voulais les appeler, mais je n'ai pas réussi à les rejoindre. Mais comme j'étais tout habillé, je vais refaire un show pareil, puis c'est ça qu'on va voir à soir. Il y a des histoires intéressantes. Mais je vais juste commencer pour vous montrer, c'est que la MRC de la Vallée du Richelieu, qui se situe sur la rive sud de Montréal, qui contient 13 municipalités, eh bien, eux autres, ils sont à la recherche d'un sorcier ou d'une sorcière. C'est une vraie offre d'emploi afin de contrer la banalisation du quotidien de tous les désagréments qui entourent la MRC. Donc, on va embaucher un sorcier ou une sorcière dans le but d'invoquer et de faire croître l'esprit de communauté au sein des 13 municipalités constituantes. Donc, si on va ici, on a la description des tâches. Donc, on peut voir qu'on peut être un sorcier ou une sorcière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut invoquer l'esprit de communauté, utiliser les moyens appropriés pour s'allier les forces créatrices et bienveillantes du territoire. Mais les forces créatrices, les forces, ce n'est pas nécessairement bienveillant. C'est jouer avec des démons ici qu'on veut faire payer par l'État. Canaliser les intentions positives des résidents et de leur allié naturel, constituer des cercles et espaces sécuritaires pour élever le taux vibratoire de la MRC, collecter et susciter les étincelles d'ingéniosité, développer pour chaque municipalité les rituels d'empuissancement de ces gardiens fantastiques. Donc, il va y avoir des sorciers ou une sorcière qui va être payée par l'État pour faire des cérémonies occultes dans la MRC de, comment ça s'appelle, Vallée du Richelieu. Tout à fait, c'est incroyable que, donc, on a sorti la religion, on a séparé la religion de l'État, il faut que l'État soit laïque. Eh bien, maintenant, on va dépenser pour une sorcière. À l'époque, les sorcières, les catholiques voulaient brûler les sorcières. Maintenant, on brûle des églises et on engage des sorcières par l'État. Je voulais juste vous souligner ça, puis je voudrais avoir plus d'informations. On va y revenir à cette offre d'emploi tout à fait incroyable où vraiment, on peut devenir une sorcière professionnelle ou un sorcier payé par l'État. Je ne sais pas si les loges maçonniques là, sur la rive sud sont au courant, sont de mèche possiblement, les Eastern Star aussi. Je voulais juste remarquer parce que la grande majorité des citoyens qui vivent dans la MRC de la vallée du Richelieu sont catholiques, du moins baptisés, et puis vont se déterminer qu'ils sont catholiques. Et la religion catholique est basée sur un livre très connu, évidemment, un seul livre, qui s'appelle la Bible, et voici ce que la Bible dit de la sorcellerie. J'ai ici 8 versets qui nous parlent, ce qu'on dit dans la Bible, des sorciers, sorcières, les devins, tout ça. Donc, on a Lévitique 19:31. « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point de peur de vous souiller à eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Un peu plus tard, on a ici dans Lévitique 20-27. « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. » Un peu plus tard, on a ici « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer auprès d'eux,
Je détournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. » Un peu plus tard ici, on dit « Tu ne laisseras point vivre la magicienne. » Donc, on nous met en garde dans le livre de référence le plus important chez les catholiques, évidemment la Bible, de ne pas toucher à la magie, à la sorcellerie, d'évoquer les esprits des morts. C'est contre la religion catholique. Et on a ici, évidemment, l'État a enlevé le crucifix de l'Assemblée nationale, donc ça leur permet maintenant d'aller faire des choses spécifiquement contre les catholiques, contre la foi chrétienne, et d'engager aux frais de l'État des magiciens qui vont s'engager dans la sorcellerie. Une petite dernière ici. « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. » Parce que ici, dans l'offre d'emploi, ce qu'on dit, ce qu'on voit, c'est très spécifiquement écrit que ça va avec le directeur du service du développement durable. Donc, le développement durable, c'est quoi? Si vous ne savez pas, le développement durable, c'est l'agenda 2030. L'agenda 2030, c'est quoi? Ça nous vient de où? Ça nous vient du World Economic Forum. Puis pour en savoir en détail, c'est quoi? Il y a les 16 objectifs du développement durable qui sont, dans le fond, une manière de créer une prison pour l'humain, la planète prison. OK? C'est ce que ça nous amène, le Great Reset, puis pour en savoir plus, c'est le livre de Klaus Schwab qui nous explique qu'on n'aura plus de vie privée, qu'on n'aura plus de possession, ça finit par « vous ne posséderez rien et vous serez heureux » parce qu'on ne pognera pas, on va vivre dans un petit pod en réalité virtuelle, dans un monde contrôlé par la censure, par l'État, où on va avoir une identité numérique qui, sans cette identité numérique, on ne pourra pas aller nulle part. C'est clairement identifié dans la Bible que c'est là que ça s'en va. Ici, la MRC clairement nous amène dans cet agenda-là, parce que le service du développement durable a un budget pour un magicien, une magicienne, pour faire des rituels occultes, payé par l'État, mesdames, messieurs. Oui, après Sam Smith au Grammys qui a fait une cérémonie satanique, après Rihanna au Super Bowl, après Madonna, tout est là, on a enlevé le crucifix maintenant, on engage des magiciens, des sorciers, des sorcières qui vont expressément contre la religion catholique pour hanter cette religion, pas cette religion, mais plutôt cette région, qu'elle soit sous le pouvoir maléfique ou fantastique, qu'eux autres vont dire. Et puis, on va très certainement, dans cette MRC, on va très certainement voir des transgenres, raconter des histoires aux enfants, il va y avoir des arcs-en-ciel partout, des hiboux, des pentagrammes inversés. Moi, je pensais pour leur festival, pour avoir une mascotte, je pensais à un petit démon, après tout rouge, transgenre, évidemment, après avoir un pénis comme Baphomet des seins, après avoir un chandail de hockey numéro 6, mais 666, moi j'ai même pensé qu'on pourrait l'appeler Lucie, parce qu'évidemment, pour Lucifer, parce que pour toutes ces incantations-là ne marchent pas sans l'assentiment du porteur de lumière, celui qui apporte la lumière, la connaissance à l'humanité, j'ai parlé de Lucifer en personne, évidemment. Donc, c'est une manière de l'amener, mais ça, faut pas le dire trop au monde. Puis, je me demandais si, pour les incantations, peut-être les messes noires, si ça va être dans les locaux de la MRC ou dans quels locaux vont être fournis pour ces incantations-là. Est-ce qu'on va pouvoir décorer, mettre un hôtel satanique, peindre tout en rouge et mettre un cercle magique au plancher? Est-ce qu'on amène les factures à la MRC? Donc, c'est des questions que je voudrais poser. Donc, c'est ça qui a commencé, que je voulais faire mon show, mais on va vous parler d'autre chose parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe, évidemment,
c'est ce qui nous parle pas aux nouvelles. Parce que, bon, évidemment, moi, je suis un conservateur. Fait que généralement, quand on me parle d'environnement, je capote pas avec ça. Mais là, je capote parce que nos médias n'en parlent pas et c'est très, 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 très louche. Je parle évidemment de l'explosion de produits chimiques de East Palestine en Ohio, qui est à 8 heures de route de Montréal. Et bon, ça fait maintenant plus de 10 jours que l'explosion a eu lieu et maintenant on commence à voir des répercussions très, 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 très graves. On a eu hier une assemblée des habitants de East Palestine. Je vais vous en faire la traduction de ce qui s'est dit là. La compagnie ferroviaire devait s'y présenter, mais à la dernière seconde, ils ont décidé de ne pas y aller. Ils avaient peur que les résidents deviennent violents, parce que si vous ne connaissez pas l'histoire, évidemment, bon, il y a eu l'accident de train. Sur le coup, on a évacué 1 000 à la ronde. Ces gens-là, on leur a demandé de partir. Deux jours après, on dit « OK, c'est beau, vous pouvez revenir, il n'y a pas de problème, vous pouvez boire l'eau, il n'y a pas de problème, okay, tout est beau. » Et là, beaucoup de ces gens-là ont retrouvé leurs animaux de compagnie morts. Ils ont vu que l'eau est empoisonnée, que ça sent mauvais, et ils ont très peur. Donc, c'est là où on en est. Les médias n'ont pas parlé parce qu'il y a des accidents de train, des déraillements de train aux États-Unis. Selon les informations qui nous viennent de Marjorie Taylor Greene, c'est 1 700 incidents par année. Donc, on ne nous en parle pas toujours, mais évidemment, depuis quelques jours, maintenant, on en voit à tous les jours, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel accident de train, ben, on nous le présente, mais c'est de loin celui qui est le plus important, parce que la matière qui est brûlée, il n'y a pas de niveau sécuritaire. Si c'est détecté dans l'eau, dans l'air, ça peut nous tuer. C'est du chlorine de vinyle, ou c'est ce qu'on utilise pour faire les tuyaux de PVC. Chlorine de vinyle ou vinyle chlorine. Donc, je vous traduis en simultané ici les échanges du Town Hall. Hier, c'est un petit montage qui a été fait par Fox News, qui est le seul poste qui en parle vraiment, mais ils ont commencé à en parler 10 jours plus tard. Toute cette histoire-là a commencé par des Twitter où les gens qui avaient du following ont commencé à se passer l'information puis ont mis assez de pression pour que les grands réseaux en parlent. Donc, on y va comme ça. Donc, je suis parti sur la 170, puis j'ai passé à travers un nuage. Puis on m'a dit de partir, puis je suis revenu dimanche, puis j'ai passé à travers ce nuage-là. Sur la 170, j'aurais pu mourir. Ça me stresse assez de savoir que j'ai respiré ça, puis que je vais peut-être avoir une crise cardiaque. Je voudrais vraiment savoir qu'est-ce que j'ai respiré. Et comme chaque personne qui sont ici, qu'est-ce qu'on a respiré? Pourquoi les gens sont malades s'il n'y a rien dans l'eau? Hey, on se demande à quel point c'est safe, parce qu'avec toute l'odeur qu'on sent ici, on dit « Hey, come on, on a des questions! » Lui, c'est là, il dit « Garde, je peux vous rassurer. » L'autre, on me dit « Arrête de nous mentir! » Lui, il essaie de rassurer les gens, parce qu'il y a un bout, nous papillons. Là, on leur dit « Arrêtez de nous mentir! » Il dit « Je comprends. » Qu'est-ce qu'il dit ici? On fait tout ce qu'on peut, puis on regarde pour les sources potentielles de contamination. Donc lui, il représente un peu le gouvernement, mais c'est pas Pete Buttigieg, c'est pas la compagnie de train, parce que les actionnaires principaux de la compagnie de train, c'est BlackRock et JP Morgan, entre autres. Et puis là, tout le monde se cache en attendant que ces gens-là vont possiblement avoir des effets secondaires très, très graves. So representative... Donc, la compagnie est Norfolk Southern. Norfolk Southern, that's the company that operates the train that went through town. Norfolk Southern, qui est la compagnie ici qui était supposée de se présenter au Town Hall, et à la dernière seconde, ont décidé de ne pas se présenter. Ils devraient être là. À la dernière seconde, on nous dit qu'ils avaient peur que les résidents auraient pu être violents envers la compagnie. Donc, ça a rendu les gens très, très fâchés là-bas que la compagnie ne se présente pas. Donc, l'autre absent important, c'est le secrétaire au transport, Pete Buttigieg.
Donc, lorsqu'on demandait aux officiels qui étaient là pourquoi Buttigieg n'était pas là, voici ce qu'il avait à dire. Pourquoi il n'est pas là? Je ne sais pas. Ton idée est aussi bonne que la mienne. Donc, complètement dans le champ. Donc, on voit ici que c'est dans un gymnase d'école dans la petite municipalité de East Palestine. Il dit, hier, c'était la première fois que j'ai entendu quelque chose de la Maison-Blanche. Donc, lui, c'est le maire, Trent Conaway, qui parle ici. C'est le maire de la petite municipalité qui, lui, hier, donc le 15 décembre, 13-14 jours après la catastrophe, qu'il a entendu parler de la Maison-Blanche. Donc ici, on a quelqu'un live. Lucas, c'est un update pour nous autres ce matin? Donc il dit, l'école est ouverte depuis lundi. Il y a deux semaines, il y a une grosse explosion à la limite de la Pennsylvanie. Les résidents, c'est une ville de 5000 habitants. Les gens ont peur que les produits chimiques affectent leur santé, évidemment. Puis ils ont peur que les produits chimiques soient encore relâchés au moment où on se parle. J'ai dit, je me lève chaque matin, je suis congestionné, je suis malade. Ce matin, je pleurais des yeux. Donc, il dit, les enfants sont malades. Faut que Donc, j'ai mal à la tête, je tousse très fort, j'essaie de ne pas aller dehors, parce qu'à chaque fois que je vais dehors, ma gorge me pique. Et le gouverneur de l'Ohio dit que l'eau est bonne à boire après l'avoir testée. Mais il encourage les gens à boire de l'eau en bouteille. Les résistants disent qu'ils ont toujours peur. La plus grande inquiétude, c'est l'eau qu'on pourrait boire. Boire l'eau, c'est ce que j'ai le plus peur. Je pense qu'ils n'ont pas été francs avec nous autres, spécialement pour les enfants, les femmes enceintes, les jeunes mères. Donc, mon inquiétude, c'est avec la dioxine. Il n'en parle pas pantoute. Président Biden, le EPA, le chef de l'EPA, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, il est ici pour parler aux résidents. Les résidents ici veulent des réponses. Et puis, concernant l'eau, j'ai vu passer sur Twitter en ce moment, c'est incroyable, tout ce qu'on voit, c'est les résidents qui sont sur place. Vous voyez ici, elle va lancer une pierre dans un ruisseau de la municipalité et vous voyez comment l'eau réagit. Donc, elle lance la pierre et on voit apparaître des couleurs comme si c'était du gaz, des genres de bulles. C'est comme si c'était de l'essence qui vient dans le fond. C'est que les produits chimiques vont comme dans le fond de la rivière et lorsqu'on brouille l'eau, les produits chimiques remontent à la surface et c'est ce qu'on voit ici. C'est abominable. Là, cette eau-là va s'en aller dans l'eau plus loin, va contaminer. C'est peut-être la plus grande tragédie écologique de l'histoire des États-Unis qui risque de nous affecter également dans le silence le plus total des écologistes habituels, dans les Greta, les écolos habituels sont complètement silencieux. Il faut que ce soit des gens de droite comme moi qui tentent de réveiller les gens sur les dangers de cette tragédie. On a un autre exemple ici. Lui, c'est un sénateur qui trouve des poissons morts. Donc, sénateur de l'Ohio qui est là. Il vient ici. Il dit il y a des...
des vers morts puis des poissons morts partout dans le ruisseau. Puis là, il va faire un test ici avec son bâton, voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis là, rappelez-vous là, qu'on a dit, aux gens que l'eau était bonne. Quelque chose que j'ai découvert, si on frotte le fond du ruisseau, c'est comme si les produits chimiques ils ressortaient du sol. Regardez. Regardez ça. Donc, ils frottent le fond, puis là, les produits chimiques, ils ressortent. Il dit, c'est dégueulasse. Puis effectivement, et le fait qu'on n'a pas cleané l'endroit où a eu l'accident de train, les produits chimiques vont toujours dans le sol. C'est une insulte pour les gens qui vivent à East Palestine. On doit continuer à pousser, mettre de la pression pour régler le problème. Donc, c'est complètement incroyable ce qui se passe à East Palestine en ce moment. Et puis, il faut garder l'œil ouvert parce qu'évidemment, ce qui s'est passé là-bas, là, c'est arrivé ici. Là. Donc, on voit. Donc, on nous dit ici que c'est un feu contrôlé, mais ça m'a pas l'air de ça. Ça me paraît comme une explosion incroyable. C'est le début de la tragédie. Cette tragédie qui fera très certainement plus de morts que le virus venu de Chine, mais possiblement sur une très longue période. Donc, en passant, concernant, vous savez, vous avez écouté Petit Albert et moi du Haut Majestic, on a parlé de White Noise, le film de Netflix. Pendant le Duo Majestic, je disais que c'est une série, j'étais dans le champ, c'est un film, qui semble être de la programmation prédictive, à quel point c'est identique à ce qui se passe en Ohio en ce moment. Et dans la série, à un certain moment donné, les gens sont évacués, les médias n'en parlent pas, comme c'est le cas là, et puis il y a des gens qui ont peur de mourir, comme c'est le cas en ce moment, et puis... Il y a une scène où un peu apocalyptique, où c'est un peu le chaos un peu partout. Et il y a comme deux hippies qui sont là et qui chantent une chanson. Et puis les paroles de la chanson, ça semble tout à fait dans la programmation prédictive. On va juste l'écouter ensemble. J'ai mis les sous-titres en français, donc la chanson on va entendre en anglais. Moi, les sous-titres sont là en français. On va juste essayer d'analyser ce qui se dit ici. Donc, le néodyme, c'est le produit chimique ici, mystère, OK? Dans ce cas-ci, nous autres, c'est du vinyle, de chlorine de vinyle, OK? Donc, l'État ne nous dit pas tout. Donc, l'État en sait plus de ce qu'ils veulent dire. À Farmington, on voit des ovnis. Donc, on nous a parlé d'ovnis la semaine passée pour nous empêcher de regarder ce drame-là. Maintenant, on a appris aujourd'hui que ces ovnis-là, ça aurait été des ballons météorologiques. C'est ce que Biden nous a dit aujourd'hui. Puis, il y a même un groupe amateur de dirigeables, de ballons météorologiques amateurs, un groupe, qui disent qu'ils ont perdu un ballon au-dessus de l'Alaska. Ils veulent pas dire que c'est le gouvernement nécessairement, mais ils ont perdu un ballon. Puis les autres, c'est des ballons météorologiques. Donc, tous ceux qui ont pensé aux extraterrestres, c'était du niaisage, c'était juste pour nous empêcher de regarder ce qui s'est passé à East Palestine. Donc, même dans l'émission ici, on nous parle d'extraterrestres. Même si, encore une fois, c'est une tragédie ferroviaire. Les pilleurs sèment la zizanie. Au Kung Fu Palace, trois biches ont péri. Ces nuages ne sont pas que jolis. Donc, évidemment, on parle ici que les nuages toxiques qui vont amener la destruction sur leur passage, ou des maladies, du moins. Les hommes en Milex sont arrivés. Donc, probablement les soutes de protection, ils sont venus tout saccager.
Aucune différence entre le bleu et le rouge. Est-ce qu'on parle des couleurs des loges maçonniques ici? Le nuage nous emportera tous. Pas de différence entre le bleu et le rouge. Pas exactement ce qu'il veut dire par là. Mais je trouvais que je voulais juste vous parler de cette scène. Si vous n'avez pas vu le film, c'est fréquent. Parce que le début, c'est grosso modo la même histoire que ce qu'on voit ici en Ohio. Puis regardez, ça c'est la scène qui se passe juste avant l'accident. Lui, il va comparer Hitler à Elvis Presley, et dans la salle, on voit les couleurs de l'arc-en-ciel partout. Le même arc-en-ciel qu'on voyait dans Stranger Things, récemment, la salle où on fait la programmation MKUltra. Donc, on a ici les échecs, ici le noir et le blanc qui représentent ici la franc-maçonnerie là-dessus. On a sur le plancher un immense hexagone. Pensez à, ils nous ont dit que l'extraterrestre ou l'ovni qu'ils avaient fait sauter, c'était un hexagone dans le ciel. On a ici, bon, plusieurs cercles, ça pourrait-tu être un one-eye ou quoi, mais bon, on a l'arc-en-ciel qui est omniprésent, l'hexagone, les échecs qui représentent la franc-maçonnerie. Parce que les échecs, le plancher à damier, puis si la caméra se tourne, il y a le plancher à damier qui est pas loin. Dans cette genre d'église nouvel âge. En fait, c'est pas d'être une école, mais... Il a sangloté devant sa caresse. Il a sombré dans la dépression et s'est pitoyé sur son sort. Il continue. Et puis, donc, on a un Black Lives Matter qui dit que Elvis, c'est comme le Hitler, puis Hitler, c'est comme Elvis. Pendant qu'on va voir ici cet accident-là. Elvis, Hitler, l'accident, la programmation prédictive, mesdames, messieurs. Parce que ces malheurs-là vont arriver à celui qui, lui, trippe sur Hitler, lui, là. Puis lui, ça doit être le bon, le Lucifer qui va apporter la connaissance. Mm-hmm. Donc, et voilà. Et pour terminer, j'ai deux petites nouvelles. Le fun. Ça dépend si tu as été vacciné ou non. Ici, dans le monde du surf, okay, le plus grand nom de l'histoire du surf, le Wayne Gretzky du surf, okay, il s'appelle Kelly Slater, c'est lui qu'on voit ici. Vous l'avez peut-être déjà vu, sans vous en souvenir, peut-être si vous ne connaissez pas le surf, il a déjà joué dans Baywatch dans les années 90. Plus grand surfeur de l'histoire du surf. Et en Australie, les surfeurs sont considérés comme les joueurs de hockey au Canada. C'est-à-dire que les surfeurs professionnels, les gens les connaissent beaucoup. Donc, si lui, c'est le meilleur surfeur au monde, dans l'histoire du surf, ben pour les Australiens, c'est la figure sportive la plus importante. Et puis, notre ami Kelly Slater ici, il parle contre le vaccin. Puis pas mal. Puis je vais vous le traduire, ça dure 1:30. C'est bon parce que là, en Australie, ça tripe sur le vaccin bien fort, mais là, maintenant, on le traite de coucou puis des théoriciens du complot. C'est comme si nous autres, au Canada, on dirait ça de Wayne Gretzky, par exemple. Ben, Théorène Fleury, disons, ça pourrait ressembler à Théorène Fleury qui, lui, tient des propos un peu dans le même genre. Kelly Slater, on va le voir ici, c'est drôle parce que tout le monde est habillé, puis lui, c'est le surfer, puis il fait son entrevue en bédaine. On dirait que c'est son uniforme. Kelly Slater sur le vaccin. De moi voir les gens qui étaient vraiment pro-vax, qui étaient contre que les gens fassent leur propre chose. Maintenant, eux autres sont affectés par le vaccin. Plusieurs personnes que je connais, j'en ai déjà parlé, plusieurs personnes que je connais sont mortes. Je sais qu'il y a des médecins qui ont arrêté de donner le vaccin en Australie parce que de leurs amis sont morts sur la côte. Ma mère a été affectée. Elle a perdu la sensation dans sa mâchoire, dans ses mains et ses pieds. On dirait qu'elle a une genre de myocardite. Mon ami, la mère de mon ami est à Barbade en ce moment. Et elle venait de la Floride, puis elle meurt tranquillement à cause du vaccin Pfizer. Donc,
Donc, elle est en train de tomber, puis les gens ne comprennent pas comment pour la guérir. Puis c'est incroyable pour moi que n'importe qui serait obligé ou être forcé de prendre cette vaccin-là pour continuer sa carrière. Il y a des endroits dans la société où, comme il y a des gens qui ne peuvent pas aller au magasin, toutes ces choses-là. C'est comme une société dystopique. Je ne vois pas que la société réalise parce que c'est là pour vous conditionner. Puis là, ils vont toujours plus loin, plus loin, plus loin. C'est fou. Donc, si vous voulez le vaccin, allez-y. Mais je pense que vous ne devriez pas, là. Mais... parce qu'une fois que vous l'avez, c'est pas comme vous pouvez renverser ça puis le sortir de votre corps, là. Mais force-les pas sur moi ou les gens que j'aime. Traite-moi pas comme si j'étais une mauvaise personne, là. Parce que si ça marche, ben c'est correct, t'as pas besoin de t'occuper de moi. Donc, c'est pas beau, ça. Le meilleur surfeur au monde, Kelly Slater, qui parle comme Capitaine Cosmos, grosso modo. Mais lui, en fait, il connaît des gens. Moi, je vois des gens mourir sur Internet à ma job. Hein, moi, je travaille dans les produits funéraires, OK? Mes clients, là, c'est des Jonathan, c'est des Kevin, c'est des Mathieu. Avant, c'était des Armand, c'était des Roger, c'était des Ephraim. OK, l'âge des gens, de mes clients, là, que je fais des produits pour eux autres, là, les qui meurent, ils ont en moyenne 50 ans de ce temps-ci. Ça veut dire que j'en ai beaucoup dans la vingtaine, trentaine, quarantaine. J'en ai 60, 70, 80 aussi. Hein. Mais l'année passée ou l'année d'avant, les gens avec qui on faisait des produits ou pour lesquels on faisait des produits, nos clients, avaient 80 ans, là. Généralement, quelques suicides des fois, mais la moyenne d'âge des clients, de ceux qui travaillent en funéraire, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé. J'ai pas besoin de plus d'exemples, vous savez. Donc, c'était ça que j'avais pour vous autres. J'espère que vous avez aimé ça. Un petit show, un On the Fly, Capitaine Cosmos News. Donc, si vous avez aimé ça, partagez à vos amis. Abonnez-vous si vous me voyez n'importe où. Puis, hey, abonnez-vous à un autre place aussi. Mais je veux dire, si vous me voyez sur YouTube, ben abonnez-vous sur Rumble. Si vous me voyez sur Rumble, abonnez-vous sur Odyssey, Telegram, Twitter, c'est là que ça se passe. Donc, je vais en profiter pour vous dire, le soir, vous écoutez Petit Albert, ça, les lundis et mercredis, ça ligne ouverte, c'est super le fun. J'ai envoyé un shout-out à mon ami il défriche un nouveau marché, les lignes ouvertes. Donc, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez l'appeler. Parler avec lui le soir, c'est super bon. Je vais envoyer un shout-out aussi à Daniel Brisson, qui fait un super job également. Voilà, c'était mes plugs. Z Radio également, fantastique. Donc, voilà. C'était Capitaine Cosmos pour vos petites nouvelles live. On se revoit bientôt.